Bien. Et elle nous fait croire qu'elle n'a plus rien. Elle, puisque devant nous, elle a tout vendu. Devant nous, elle a tout vendu. Donc, le reste là, je pense que ça y est au Sénégal. Si on mène bien les enquêtes, je pense qu'au Sénégal, là, elle a une bonne partie de l'économie. Moi, c'est ce que je me dis. Oui. Homme de Dieu, il n'y a rien du tout. Il ne faut même pas Oui. même faire partie même. Il n'y a rien au Sénégal. Rien du tout. La Lyon, Ok. c'est comme au niveau des papos là-bas. Tu veux que je mette le live? Il faut mettre, parce qu'on dirait qu'elle est en train d'expliquer. Il faut mettre, pardon. Alors, tu trouves que Mada, tu nous dis aujourd'hui que tous les biens de Tchoté sont là. C'est ce qu'elle nous a dit. Est-ce que tout le monde est d'accord? Elle nous a dit que tous les biens de Tchoté sont là. Mais Qu'il y a pourquoi la il tout crie? elle ne manque de rien et autres. Nous allons Comment tu le connais aujourd'hui là? à qui parle à sa servante. Et je C'est viens de lui terrible expliquer ce tout ça. gars-là. Monsieur l'enquêteur, croyez-en vous. Vous qui êtes celui qui rentre là où personne ne peut entrer pour faire sortir les preuves. Faites-nous écouter la même matin. Il n'y a même pas quelques minutes, tu nous dis qu'il ne Elle manque est de rien. sortie d'un Que j'ai danger. jamais demandé de demander de l'argent à quelqu'un. Écoute-toi, croyant que vous avez la parole. La voix se fait peu de mutants, n'entend rien. Ok, merci. Déjà, bonsoir d'abord. Écoutez. Les gens qui m'ont manqué de respect, les gens qui m'ont parlé des paroles que je ne peux même pas répéter. On reprend. Là, tu penses que ce que tu dis là, tu penses que je ne l'ai pas fait? Voyons-vous, attends un peu, attends un peu, voyons-vous, attends un peu. Écoute, madame, mais elle dit des choses contradictoires. Écoutez ce qu'elle dit à sa servante qui encaisse son argent. Écoutez. Ok, vous m'entendez, j'espère. Tout à l'heure, j'étais bien positionné. Voilà, mais là, je suis en déplacement, mais je mets. T'inquiète, on va faire avec le général, t'inquiète. Là, tu penses que ce que tu dis là, tu penses que je ne l'ai pas fait? Tu penses que je n'ai pas appelé les gens qui m'ont manqué de respect, les gens qui m'ont parlé des paroles que je ne peux même pas répéter? Que ce soit la femme de Papi, que ce soit Madou, que ce soit la femme de Koulou, ou qui que ce soit, j'ai appelé tout le monde avant que Soraya ne quitte en Angleterre pour pouvoir régler ton argent. Personne ne veut m'aider, personne n'a voulu. Tout le monde explique son problème là. Je pense que si je peux les appeler, je me suis rabaissée, mais devant des personnes même que, qui ne savent même pas mon problème, qui ne savent même pas ce que je vis en ce moment. Tout ça pour pouvoir prendre ton argent et puis te donner. J'ai appelé tout le monde, tout ce que je peux. Il y a des gens même là, il n'y a même pas ça entre nous-mêmes. Ils ne savent même pas mes problèmes, ils sont obligés de m'exposer. Quand j'ai appelé Kadi Touré par rapport à ce même problème pour qu'elle puisse m'aider, ou bien à Sayan Ayek là, je suis arrivée à Abidjan ici, ils m'ont exposé comme pas possible. Les gens m'appellent n'importe comment pour me dire que ah, donc tu n'as plus rien. Donc c'est comme ça que tu es devenue. Je suis la tête de mes enfants, demande à Soraya. Tu vas s'occuper de ton enfant. Oh, moi, là, tu es malade. Tu penses que le monsieur n'a pas de problème. Tu vas plus attendre d'abord, croyez-vous, merde! Je vais tellement voyons debout. vous, voyons vous, attends, faut pas aller vite, faut pas aller vite. Alors que là, tout à l'heure, elle était en choc-bien. Qui Elle va était s'occuper en de ses enfants? choc-bien. Elle est Voilà. belle, celle-là. Ça Oui. fait mal de. Tu vas pas aller vendre à l'hôpital. Elle était en de choc-bien. Pas Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus n'a rien. Elle n'a plus rien. Là, je Il y a plus confirme. d'États qui se Vous débrouillent à la confirme qu'elle télévision. n'a plus Si tu rien. as dit que Elle la n'a santé, tu plus vas s'occuper rien. de tes enfants. Toi, tu es Toujours, elle malade. n'a plus rien. Tu as Elle vu n'a la plus télévision. rien. Yasmine Leda, tu penses que si elle avait eu la chance que toi, tu as eu, elle allait s'asseoir à la C'est à la servante qu'elle est en train de parler comme ça parce qu'elle doit la servante. Elle doit la servante. Donc, c'est à la servante. Elle Oui, est ils en ont train fait la de. capture pour la servante. Voilà. Elle est en train de supplier pour pouvoir. Voilà. Elle dit, tu sais Ça que je n'ai même pas que l'argent, je plus vais gentil, taper voulait être partout et servante tout. là, c'est la vérité en fait. Oui, c'est la vérité. Elle ne Donc, veut pas. au moins, Elle était incapable les de gens qui ne répondre, c'est la comprennent pas vérité. doivent Elle était savoir que incapable de tout ça, elle est répondre. venue faire le soir là, c'est du coq à l'âne. Elle est Comment venue faire. s'occuper de tes enfants, ça va pas Voilà. chez Faut toi. juste Toi, en ça plaire aux gens qui disent que oui, madame. Mon Elle chéri, n'a rien dit. c'est dommage. Et Moi, toi, tu j'arrive dis que de toi, tu as l'argent pour t'occuper des Elle enfants, que t'as est une où en famille ce d'accueil. moment? Elle est où en ce moment? Elle est Elle est où à Abidjan chez une de ses amies. Elle partait Elle dîner. est Elle pour aller dit qu'elle est chez dîner. sa soeur, Elle c'est partait faux. dîner là-bas. Elle allait dîner Elle là-bas à mange. Regardez 22 heures. le Elle allait dîner. là même. dîner. Est-ce que vous avez bien vu la vidéo là? Elle était dans une chambre d'hôtel. Regardez bien la chambre là. C'est une chambre d'hôtel avec un vieux vide. Sauf si moi, quand tu as fait du bien aux jeunes, sauf si moi je n'ai pas pris tes enfants, sauf si je ne les ai pas aimés.
C'est la servante. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de crier. Et je ne suis pas dans mes droits. Si tu avais donné mon argent, j'allais crier ça. Tu donnes mon argent, baisse ta femme. Donne mon argent, baisse ta femme. Tu as fait du bien aux gens. Ce n'est pas à moi que tu as fait du bien. Toi, appeler ces gens, ça, tu as fait les compliments. Ce n'est pas à moi que tu as fait ça. Tu dis ça. J'ai dit, je veux mon argent, ça s'arrête là. Je veux mon argent. Aïe. Je veux mon argent. Ok. Madame, tu es là, tu nous suis. La servante a dit qu'elle veut son argent. Donc, qui est cette femme qui nous dit qu'elle n'est pas coulée, elle vit bien, tout va bien, mais qui doit à une servante en Angleterre? Qui doit qui fait 20 000 milliardaires. Il faut t'apporter le live. On veut t'aider. Qui est cette femme qui dit elle est exempte de rien, elle ne manque de rien, mais qui même en Côte d'Ivoire va demander service à Kaki Touré, l'argent? Elle va demander de l'argent à Hassan Ayel. Gloire à Dieu, elle n'avait jamais eu mon numéro de téléphone. Sinon, moi, avec mon caisse sensible, un vœu qui voit le vœu, je suis sûr. Rien même, voyager à mon âme, me faire croire qu'elle a des biens. Eh, madame, merci de m'avoir épargné. Personne contre toi, ma soeur. La question qu'on te pose, elle est simple. Où est la. En 2016, c'est renouvellement des vœux qu'on donne extrait de mariage. Mais question. Pourquoi les deux actes de mariage ne portent pas les mêmes noms? Preuve à l'appui. On y va. On va jouer le VAR. On va jouer le VAR. Mmh. Et pourquoi un seul commentaire, je suis pour sauter. Je retourne la caméra. Hé, hey, ma conscience, c'est la VAR. Hé, hey, je suis là, mon patron a expliqué. Le VAR. Tellement vrai, doux. Que le VAR. Ici, on a le nom de la maman. Regardez bien, là. Regardez là. C'est marqué Fatou Viviane Mbao. Je zoome bien. Ici. Le nom de ma cousine est sorti. Le faux mariage. Le nom de la mère ici change. C'est Fatou Mbo. Ok. Le nom de la maman de Tchoté. Ici, c'est marqué Akissi Kwame. Regardez bien. On retourne maintenant sur l'acte de mariage de la mairie de Cocody. Ici, le nom a changé. C'est marqué Aya Kwaku. Regardez bien. Donc, il faut être bête, sorcier, né maudit, grandi maudit, vécu maudit, pour venir s'asseoir pour dire hey, elle a raison. Je vais monter la photo du mariage de 2000. Je vous montre la photo du parce qu'on parle, mais on n'a jamais vu la photo du mariage. Mande est dans le live, hein. Comme ils l'ont donné à Attends, elle est dans le live. Elle est gonflée, hein. Mande, c'est une vidéo. On attend. Moi, influenceur, si tu connais quelqu'un en Angleterre, faut me donner le nom. Moi, il a appelé. Parce que, ici, là, moi, je suis convaincue que elle n'a pas l'argent, elle n'a pas cette capacité d'envoyer l'argent à l'enfant. Voilà. Merci bien. Elle n'a rien, tu viens de Tchabat, ok, il va demander l'argent à Yasmine Reda. Voilà. Elle s'est débrouillée à SCI. Elle a quoi? Elle n'a rien. Non, c'est gâté. C'est gâté même. Kadi Touré, même ça va. Elle est un peu. Non, jusqu'à abandonner ton enfant. Toi, tu as souffert, derrière. Que il veut jouer au football. Côte d'Ivoire. Voici la photo du mariage. Une force. Voici la présence du maire. Voici des imams qui sont là. Et voici la photo qui est belle et bien marquée. Ma chérie là, tu n'avais pas 18 ans. Tiens, mais on va pas bien. Toi, tu vas pas bien. Tu es chaud bien quoi? Tu vois pas bien comment? Visage qui est là. Là. C'est pas pour 18 ans ni 16 ans. C'est pas la photo qui est là. Voici monsieur Cheikh Tchoté. La voici qui est là. Voici le maire. Son turban est là. Il s'est bien attaché pour la cérémonie. Je sais que ce jour-là. Donc, tu étais au mariage. Voici les ciments. Oui, il était au mariage. Ah, moi, je pensais qu'il n'était pas au mariage. Mais ils n'ont jamais dit ça, ils ont dit qu'il était au mariage. Ils ont insisté pour dire que. Parce qu'ils sont en train de monter une image. C'est le mariage de quand? Non, ils ont enlevé l'image. C'est le mariage de quelle année? 2016 ou 2007? C'est le mariage de 2007. La mère. On parle de la. Pour 2007 là. Non, c'est pour 2016 là, il est en train de montrer là. En 2016 là, ça, si on était la paix, on était. Oui, c'est ça ma cause à faire montrer actuellement là. Réponse Fafa! Réponse Fafa! C'est un mariage à 4, ils ont fait. Dans le live, on doit même tapoter fort. Tu as pris l'argent avec les gens? Est-ce qu'ils ont fait un vrai profil?
Vous connaissez TikTok, hein. Pas parler des biens de mon mari. Est-ce que tu as fait faux papier? Les papiers commentent, moi je ne vois pas. J'ai vu même Steve B. Steve B était aujourd'hui dans une... Par contre, pourquoi on peut dire les noms des gens comme ça quand tu as audience? C'est qui ceux-là? Merci beaucoup, excuse-moi. Je suis nommé là-bas. J'ai vu aujourd'hui la bouche de ma chouarie. La fille qui a la peur. Seigneur. Passé pour la jumelle d'Emmanuel Keïta. Une sorcière de son état. Venue s'asseoir. Elle me pose question. C'est quand même abusé. C'est quand même abusé. Ça vous dit non. Elle a déjà répondu. Elle-même, il faut pas là. J'espère que l'état de code va pas décoller ces personnes après. Une question de savoir. Qu'est-ce que cela vous fait de lui demander? La mère, regarde. Eux aussi, les lives là-bas, ils l'ont filmé. Donc, oui ou non? C'est juste. Parce que eux tous, pour la première fois, ils ont vu 5 000, 7 000 personnes connectées, ils ne pouvaient pas y aller. Jamais. J'ai dit jamais. Je répète encore, jamais. Mettez les gars partagés, je dis, aucune personne au monde ne peut oublier son âge de mariage, sa date de mariage. Ce n'est pas possible. J'ai dit, c'est impossible, impossible. Tu nous parles de 17 ans. Quand tu disais que tu étais mineur, tu veux renchérir si tu suis dans pour essayer de te donner une échappatoire. Mais non! Mais c'est pas possible! Mettez les cœurs partagés le direct. On va aller plus loin. Et elle dit qu'elle est enceinte. Madame, elle faut quand même. Parce que elle a réussi quand même à rendre encore plus bête le panel de poulet. J'aimerais la d'abord à la dame. Tu n'as pas vu comment Edwige veut la chasser? Edwige, plutôt, ne faut pas poser des questions, c'est bon. Edwige, je n'ai pas convaincu. Oui, oui. On peut chasser son invité comme ça. Tu sais que Edwige, elle est intelligente. Donc, tout ce que oui, la fille est en train de dire, Edwige, je n'étais pas convaincue. Eh bien, je ne pouvais même pas lui poser des questions. Elle dit, elle s'en va prier. Eh bien, d'abord, parti. Mais quand si elle lui parle de mariage, quand la fille veut, quand on pose une vraie question pertinente, elle dit, mais arrêtez de poser les questions. Mada a déjà répondu, ok? Mada a déjà répondu. Parce qu'elle-même, elle sait entendre, mais que si ce n'est pas avec ses détracteurs. Oh, purée. Tu as Mada et puis tu as 7 000, 8 000 personnes, c'est peu. Ouais, c'est vrai, par rapport à ma cousine. C'est une exclusivité de la mort. On attendait tout. Elle a mis son live en réserve. Elle a mis son live en réserve à ses abonnés. Donc, du coup. Non, c'est à la fin. C'est à la fin. Elle a mis au milieu. Voilà, Sinon, au début, on pouvait le faire. Je pense qu'elle a oublié d'enlever. Elle a vu que ça commençait à chauffer. Elle a mis ça réservé aux abonnés. Donc, si tu veux monter, il faut t'abonner 8 euros pour Mada. C'est ça. Mais au moins, elle a eu beaucoup d'argent. C'est le plus important. Sinon. Elle n'a pas eu. Parce que quand elle a mis ses 8 euros là. Si tu veux avoir Mada et puis 5 000 personnes, c'est plus. Tu n'as pas sur ton live, tu as fait cas. Parce que Mada, toute la Côte d'Ivoire attend Mada. Nous tous, on attendait Mada. Franchement, toute l'Afrique l'attendait. En tout cas, elle a fait toute l'Afrique attendait Mada. Toute l'Afrique. Non, mais le problème aussi, elle a joué la carte. J'ai félicité de la réserve. Non, il y a une deuxième épisode, il y a une deuxième partie. Hein. Parce que si Mada partait, c'était chaud. Donc, elle a joué la carte aussi de la réserve. Elle a bien tapoté. Tapoter bien. Même pour avoir 1 million de tapotage, c'était compliqué. C'est à la fin, là. Elle aurait dû bamougou bien les abonnés. Elle allait tapoter, partager au maximum. Bon, le problème, c'est que la dame, dans tous les cas, une heure de temps. Une heure de temps. C'est ça aussi. Et si dans tous les cas, le fait de prendre Mada aujourd'hui, c'est moi, personnellement, ça aurait été moi. Ils sont partis. Toi, influenceur. Toi et moi, on savait bien qu'il n'allait rien se passer au tribunal. Contrairement à tout ce qu'ils nous ont promis. Exactement, j'ai dit que ça allait être rejeté. Non, mais pas rejeté, c'était juste dépôt de preuves, de dossier. C'est même pas preuve même. C'était dépôt de pièces. Point barre. Donc, il n'allait rien se passer. En dehors des cris du monsieur qui a crié là-bas, qui a s'étranglé, fait sauter ses testicules-là. Il n'y avait rien. Ils sont partis, ils ont organisé, ils se sont mis à 20, ils ont crié, tous les panels. Moi, je les laisse partir. Quand ils reviennent, je joue sur la tendance de Mada va venir. Comme elle a fait la dernière fois, ou comme lui-même il a fait la dernière fois. Et tu laisses passer. Dans tous les cas, ce soir-là, le live qu'ils sont en train de faire, ils allaient le faire avec ou sans Mada. Les preuves qu'ils sont là montrées là, ils ont déjà sorti ça. Donc, ça allait être du réchauffé. Est-ce que toi et moi n'a pas fait ici?
Ils allaient faire du réchauffé sur du réchauffé sur du réchauffé. Jusqu'à là où ils ne s'attendent pas. Là où ils ne s'attendent pas. Où ils n'ont plus rien à donner. Ils n'ont plus rien à apporter. Tout le monde sait déjà leur preuve. La justice aussi va faire son travail. On attend. Et puis tu sors dans d'eau. Mais là, moi-même, je suis dans le commentaire là-bas, en train de dire, pas maintenant, c'est trop tôt, à 5000 personnes. Tu leur as dit ça, non? Mais faut voir mes commentaires. En quoi les commentaires, quand ils sont ouverts, ça vous apporte quoi? Dès qu'on sécurise votre live avec des fleurs, des cadeaux, c'est suffisant. Et les cadeaux tombaient. Faut arrêter l'histoire, non? Que les commentaires, c'est important. C'est important que pour les vicieux qui veulent faire insulter leur invité, tu invites quelqu'un comme ça, tu fermes le commentaire. Les gens voient les roses pour sécuriser et on tapote. Point. Moi, il y a sur un panel. Et puis, je vois 1, 2, 3 commentaires qui m'insultent. Elle a trop considéré les restés. Moi, je descends. Je descends. Faut être professionnel de la vie. Il y a des gens ici sur TikTok. Même TikTok où nous sommes tous assis ici. Moi, il y a des panels où je vais. Les gars sont là fumés. On bloque. TikTok ne les jette pas. Il y a des lives TikTok. Tu t'en vas, le gars fume. TikTok ne les jette pas. Il y a des lives TikTok, tu t'en vas. Il n'y a pas commentaire. Le gars bloque le commentaire. Le lendemain, son panel est là. Et tu regardes en haut, il y a 6000 personnes connectées. À un moment donné, il faut arrêter. D'autres boivent en ligne. D'autres même boivent en live. Il y a des qui boivent, ils fument. Ils fument. C'est moi, c'est dans le TikTok des Africains. J'ai appris que le commentaire est important. C'est chez les Ivoiriens et les Africains. Il y a plein de commentaires importants. Moi, je viens sur un panel. Je m'appelle Mada. Toute l'Afrique m'attend. Je viens, il y a des petits morveux qui m'insultent. Et vous dites que non, ça va monter. J'ai écrit, je tapote, j'écris. Attendez, fermez les commentaires, fermez les commentaires. Mais vous voyez qu'on insulte la dame que vous avez invitée. Fermez les commentaires. En plus, c'est les cadeaux qui arrivent. Fermez les commentaires. Si votre live est signalé, c'est signalé. C'était trop mal organisé. Edwige, elle a eu une bonne idée. Moi, c'était Edwige. Madame montait sur mon panel samedi ou dimanche. Je la prenais samedi ou la semaine prochaine quand ils n'avaient plus rien à apporter. Elle a là, tout ce qui passe, elle on a bien tout entendu. Elle a gâté sa propre audience, elle était trop pressée. Oui. Mada a commencé à parler, il n'y avait même pas 5000 personnes. Tu te rends compte? Elle était trop pressée, elle était trop pressée. Depuis 3, 4, 5 jours. Donc, du coup, elle a vu Mada, elle est citée et elle s'est oubliée. C'était elle a parlé à Mada il y a 2 jours. Mais elle a parlé avec elle avant que la dame ne motive son live. Dans son live là, elle était tellement que elle savait que Mada venait. Elle savait, elle aurait dû exiger les cadeaux et puis bloquer les commentaires. Elle s'est pas fait les choses. On enlevait les commentaires. Ça aurait été quelqu'un qui invite une personnalité que tout le monde attend parce que Mada était écoutée aujourd'hui sur presque tous les panels. Donc les Sénégalais là, étaient remplis dessus comme ça. On a vu ça en bas. Plus d'abonnés que les autres qui écoutaient Mada, mais les autres avaient plus que elle qui avait Mada dans sa main. Donc, l'unique qui était assis là-bas, la Lyon, tu te rends compte? Elle était à 8K, Aya était à 7K. Mais tu as perdu. L'unique était à 4000. L'unique était à 4000, presque 5000. Il a dû couper sans son live. Sans Mada. Il était à presque 5000. Et il avait le son live. Croyez-vous, à 6K. Voilà, Facebook. Tu comprends? Quand tu es sur un panel, il y a 8 personnes. Les 8 personnes qui sont autour de toi que tu as fait monter là, chacun veut te gérer ton panel. C'est pour ça, moi je vous dis, quand tu as de gros invités comme ça là, hein, tiens, c'est l'invité et toi, point bas. Tout ce que madame monte ici, j'ai fait descendre tout le monde, j'allais avec un influenceur. Vous pensez que madame monte, je jette le corps de tout le monde. Elle reste en moi qu'elle fait ça, puis on ferme les commentaires. Elle fait ça, va lui poser les questions qu'il faut, qu'elle a fini. Maintenant, les gens montent maintenant pour poser une question, puis c'est fini. Ça, t'as fait un boulot. Là, t'as fait un boulot. Mais chacun veut parler de son micro. L'autre veut dire si. L'autre veut dire que ça casse les gros mots des Français dans nos oreilles. Non. Normalement, c'est une exclusivité. Je suis désolé. Elle vit, j'ai professionnel. Seulement, c'est que, il y avait trop de personnes qui voulaient forcément avoir leur truc. Leur moment de gloire. C'était ça. Quand tu es là, tu es sur ton panier, tu es seul. Et puis tu as 8 personnes à côté. Chacun dit pour lui, ça te mélange. Elle n'était pas pressée, mais il y avait. Regarde, quand Mada monte, si vous vous rappelez, quand Mada arrive à faire les 1000 personnes pour mettre la caméra. Et puis là, ça monte. Elle était à 2000. Elle était à 2600, tout comme ça. Et puis là, ça monte à 3000. Mada est en caméra, il y a 3500, 3600, 4000. Moi, je commence déjà à écrire. Et déjà, il y a un qui dit, on commence.
Et ça, c'est comment il s'appelle? John, c'est de la vérité. Non, si John avait un mandat, John allait monter à 20 à 20. Mais bien sûr, parce qu'il allait savoir comment faire. Mais lui, il était tellement pressé de retenir sur son panel, il voulait aller vite, vite. C'est John qui a commencé en premier. C'est Emma allait regarder les rediffusions. C'est John qui a commencé en premier. Vous êtes jaloux d'Aya. Regardez-moi des gens comme ça. Qu'est-ce que celle-là dit ici? Il y a vu le commentaire. Vous êtes jaloux de Aya. Qui est jaloux de Aya? Des gens bêtes comme c'est ça. Comme ça d'Aya c'est ici? Comme ça, vous êtes promené un jour que tout de glagla est parti insulter Aya. J'étais en live avec un influenceur sur ma pub, me dit que Aya est en train de me clasher. Non, ils sont allés dire Aya que glagla est en train de t'insulter. Et ils n'ont pas dit que tout de glagla, ils disent glagla. Dans le film, il dit que oui, tu l'as insulté Aya, que Aya va te clasher. Du coup, moi là, il arrive là-bas. C'était un couture de glagla. Il dit, regardez-moi ça. Toi, t'as quitté là-bas, t'as venu avec ton nom qui est compliqué, que Dieu est ma force. Toi, tu connais la force de Dieu. Tu connais la puissance de Dieu. Hein? Faut lancer un spectre ici, tu avoir la force de Dieu. Que Dieu est ma force. C'est vous qui avez le lourd nom de Dieu sur vous. Hein? Vos péchés, ça sort de vos narines, André, vers les terres. Que vous êtes jaloux de Aya. On parle d'Edwige, on entend de dire qu'elle on pouvait faire plus. On parle de la technique d'Edwige qui n'était pas, pas bien ficelée. Là, tu viens parler de Aya. Oui. On la félicite aujourd'hui, franchement, elle a marqué un grand coup. Mais... elle est sortie dans le dos. Moi, c'était moins d'Edwige. On pouvait avoir plus que ça. Elle pouvait monter même. Nos relations et notre énergie. Vous êtes la petite soeur de Cheikh Tiote. Vous allez écouter tout à l'heure l'interview de votre bien sûr. Dans ce qu'elle a eu à dire, quels sont les éléments clés que vous avez retenu qui sont des mensonges flagrants devant vous? Bon, je crois que j'ai déjà dit, Mada déjà, c'est quelqu'un qui ment beaucoup, elle ment très mal. Elle ment beaucoup, voilà. Déjà, quand elle dit que... Allô? Oui, tu peux parler. Nous t'écoutons. Ok. Déjà, quand elle dit que ses enfants vont très bien, moi, je sais qu'en 2019, bébé Cheikh a été chassé de son école parce que la scolarité n'a pas été soldée. C'est monsieur Thomas Ouattara qui allait solder la scolarité pour l'enfant. Et même, elle a eu à raconter au monsieur que Cheikh devait, je ne sais pas combien de millions. Et qu'elle était obligée de vendre les maisons et tout. Elle dit qu'elle n'a pas vendu les biens et je ne sais quoi. Pourtant, on nous dit que la maison dans laquelle nous on est a été vendue à une certaine Ami Ouattara. Continuez, vous avez la parole. Tu nous dis que nous on est déjà ta famille. En fait, c'est quelqu'un qui se moque des gens en fait. C'est-à-dire, c'est comme si tu viens nous narguer. Non seulement tu nous humilies, tu nous nagues. Bon, déjà l'humiliation tu l'as fait subir à ta fille en Angleterre, donc ça encore c'est pas un souci. Mais venir encore là nous narguer. Quand tu peux faire sortir ta maman d'une maison, est-ce que tu peux faire sortir tes soeurs qui sont au Sénégal là dans une maison? Tu peux les mettre dehors? Non, je pense, mis, je ne sais pas, de Cheikh. C'est le même Jojo là qui est venu lui dire, après le décès de Cheikh, que Cheikh devait 80 millions et que Cheikh avait pris 80 millions de crédits, je ne sais où, et qu'elle devait rembourser. Le même Jojo là, elle allait le déposer au Sénégal pendant 2 ans, comme un crève la fin, il avait du mal à vivre là-bas, à survivre là-bas. Non, attendez. Celui que tu appelles ami et team. Vous nous dites que le dénommé Jojo est venu dire à Madame Mata. Il est venu la naquer, il voulait la naquer, que Cheikh devait 80 millions, je ne sais à qui. Et elle n'a pas payé l'argent. Elle n'a pas payé, elle a demandé des preuves. C'est un arnaqueur. Elle fait croire que c'est un meilleur ami là. Quel meilleur ami arnaque son ami quand il décède? Non, non. Tu peux parler, exprime-toi, faut t'exprimer. C'est toi aujourd'hui qui parle, c'est nous qui parle. Qu'est-ce que tu as à lui dire?